Voilà. Bonjour à tous, en direct du camping de Diré, où il y a beaucoup de bruit à l'extérieur. Donc... Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode 3, c'est Histoire Réseau, voilà, et Famille. Et aujourd'hui on parler de Tatine et troisième appartement. Voilà, donc Tatine, nous avons emménagé en quelle date à Tatine ? 29 mai 2012. Pourquoi ? Détruit tour Truffaut, il est trop petite. C'est quoi qui était trop petit? Appartement Truffaut. Voilà, il nous fallait une chambre de plus, pourquoi? Pour Julie, Johanna et moi, et papa et maman. Voilà, donc nous sommes arrivés à Tati. Oui. Quel étage on habitait? Quatrième. Voilà, et il y avait un ascenseur? Non, j'ai pas eu chance. C'était dur de monter les escaliers, hein. Combien de temps? À peu près 4 ans. 4 ans, on a monté 4 étages tous les jours, plusieurs fois par jour même. Ouais, pour Pampou et tout ça. Ouais. Donc ça, c'était le premier inconvénient. Ouais. Mais les avantages de Tati, c'était quoi? Grande surface d'appartement. C'était très grand. Et quoi d'autre comme truc qui était bien à Tati? Oh non, je ne me souviens plus. Bah si, qu'est-ce qu'il y avait où on pouvait ranger des choses? Casibi. Il y avait un casibi. Placard. Il y avait plein de placards partout dans toutes les chambres, ou pratiquement toutes les chambres. Oui. Donc on pouvait ranger plein de choses, pas besoin d'armoire. Donc les pièces étaient beaucoup plus grandes. Ça paraissait beaucoup plus grand. Tu te rappelles? Oui. Voilà. À part chambre Johanna. Ouais, c'est vrai qu'elle avait pas de placard, elle. Et papa et maman? Si. Est-ce qu'on avait un placard, nous? Non. Non plus. Là, tu te souviens bien. Mais bon, il y avait des grands placards, où ça? Chambre moi, Julie. Julie. Entrée. Dans l'entrée. Je sais pas, notre. Et c'est tout. C'est tout. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce qu'on avait en plus que les autres appartements? Sambre. Non, ça on avait. Mais quoi d'autre? Est-ce que tu te souviens ce qu'on avait en plus? Oh my god! Il y avait la cuisine. La cuisine. La salle à manger. Ouais. Les quatre chambres. Ouais. Les toilettes. Oui, ça, une petite d'eau. La petite salle d'eau. Il y avait juste quoi dedans? Un lavabo. Un lavabo. Et inutile. Ouais. Mais c'était bien pour se laver les mains. Oui. Tu vois? Après, c'était la salle de bain de Johanna. Tu te rappelles? C'est quoi ça? Ouais. Pour qu'elle puisse se maquiller, tout ça. Ouais. Se brosser les dents. Ouais. Il y a deuxième salle de bain. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les chambres et tout autour de l'appartement? On était quoi? Balcon. Il y avait des balcons partout. Oui. Tu te rappelles? Oui. Dans ta chambre, toi, il était tout petit. Ouais. Inutile, les balcons pour moi. Bah, ça pour ouvrir, si, c'était bien. Mais t'avais peur, toi. T'avais le vertige. Coucou, papa. Ouais. Il passait ton père. Ouais. Oh, oh. Évitez. Voilà. Après, qu'est-ce que tu te rappelles de cet appartement que t'aimais bien? Ouais. La déco, c'était comment? Ouais. C'est mon... Oh, punaise. Alors? Incompréhension. Tu bugs. C'était vieux, c'était... Moyen. C'était moyen. Ouais. Ouais. Parce qu'on savait que c'était un appartement provisoire seulement. Ouais. Parce qu'on devait après avoir un nouveau logement. C'est fait surface et c'est comment de vivre. Comment tu as vécu comment toi? Moi, Johanna, Julie et papa et maman. Ouais, on était bien? Oui. Oui. T'aimais bien. Et toi, ta chambre, elle donnait où ta chambre? Elle était comment? Vers forêt. Oui, mais dans la maison, dans l'appartement. Dans le salon. Dans le salon. Bientôt l'heure de la vérité. Oh, oh. Punaise! C'est pas grave. Oh, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses perturbées. C'est pas grave, papa, il fait l'imbécile. Je déteste toute ma vie. C'est pour rigoler. C'est pas drôle pour moi. Mais si, c'est le camping. Excuse-moi, je suis vraiment désolée. Tu dis c'est les vacances. C'est la vacance. On continue. On continue. Tati. Ouais. Après, vécu, après, la déco, c'est des avdis. Ouais. Et une catastrophe, c'est quoi première catastrophe? C'était quoi? Oh punaise, ça est compliqué. Le trou dans ta porte? Ouais, c'est pire bêtise. Ouais, t'as cassé plein de choses aussi à Tati, hein. Ouais, par exemple, le mur, pas cassé le mur. Non, t'as pas cassé le mur, quand même pas, hein, t'es pas Hulk. Hein. T'as cassé ta porte, t'avais fait un gros trou dedans, à force de mettre des coups de tête. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre comme catastrophe? Ah, ben, ces choses seront interdites à dire en plus, c'est ça le problème. Oh, 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 oh. Il y a moyen de parler ou pas? Attendez. Non, on n'a pas moyen. On a bientôt fini.
Ouais. Alors, catastrophe. Alors, on a eu. On a eu l'incendie. Attrapé l'incendie 2014, il n'y a pas été. Il était en camping, ouais, vacances. Nous, on n'était pas là. Mais qui c'est qui était là? C'est à côté. Ouais. Il y avait qui? Il y avait les chats. Les chats. Tu te rappelles, on avait eu peur, hein? Oui, Maya, il est tout noir. Ouais, Maya, notre chatte blanche, elle était toute noire. J'ai eu peur pour ton ordi, maman. Ouais. Toi, tu t'as pas eu, t'as eu plus peur pour les ordi que pour les chats. Ouais. T'es un coquin, toi. Oh là là là. Ouais, mais c'est pas nous qui avons mis le feu, c'était dans l'appartement à côté. Et toute la fumée était rentrée chez nous, parce que nos fenêtres étaient ouvertes. On était en vacances. Super. Ouais. Pas eu chance. Hein, on est rentré de vacances, l'appartement était tout noir. Oui. Tu te rappelles? De suie. Oui. Il y avait de la suie partout. Oh là là là. Ça a extrêmement perturbé aujourd'hui les vidéos. Moi, j'ai un guéouille, attends pour les élèves. Ben vas-y. Désolé pour période. Bon. Et après, il y a tout créé, il y a abîmé, il y a dégâts fait, les balcons et tout ça. Il y a gros dégâts. Ouais. Mais bon, ça, c'était pas chez nous, c'était chez les voisins. Qu'est-ce qui s'est passé, les voisins? En fait, on n'a pas énorme. Il y avait eu un appareil défectueux, je crois, et ça avait mis le feu. Mais il n'y avait pas eu de blessés, que du dégât matériel. Ouais. Voilà. Et troisième catastrophe? On a eu un petit souci avec des petites bestioles. Et du coup, on a été obligé de tout déménager. De tout jeter et de déménager après. Et voilà. Ouais. Et du coup, on a été obligé de déménager parce que déjà, les quatre étages à pied, ça nous fatiguait, surtout Enzo. Pour une course, mon pampou, voilà, tout ça. Les courses et tout, c'était pénible. Quoi. Et du coup, après, on a déménagé. Oui. Voilà. Et pour le prochain appartement, c'est dans l'épisode. Voilà, l'appartement actuel, c'est dans l'épisode 4. Prochain épisode. Voilà. Donc, on vous dit au revoir. Bye bye. Ouais. Enzo, tu regardes la caméra. Bye bye. Voilà. On vous dit à bientôt. À bientôt. Et qu'est-ce qu'on dit après? Abonnez-vous. Ma chaîne et les commentaires. Et à très bientôt pour un nouvel épisode. À bientôt. Bonnes vacances. C'est très court. C'est court, mais c'est très bien. Ouais. Parce qu'on n'a pas vécu longtemps à Tati. Combien d'années? 4 voilà, ans. Voilà, 4 ans. Donc c'était une petite vidéo parce qu'on n'a vécu que 4 ans. Oui. Voilà, à bientôt. Ouais. Bye bye.